Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle année 2023. Bonne année. Allez, c'est parti, on va sur la vidéo. Non, on va pas commencer comme ça quand même, en catastrophe. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Ça fait plaisir que vous soyez encore sur cette chaîne, même si on n'a pas atteint les 10 000 abonnés en 2022. C'est pas grave, je vous pardonne. On va atteindre les 50 000 en 2023, n'est-ce pas? Tout ça en espérant que 2023 soit une bonne année, qui ne se passe pas comme 2022, ou 2021, ou 2020. Hein? On espère, on croise les doigts. Pas de chute d'astéroïdes, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Attaque extraterrestre. Pas d'attaque extraterrestre dans cette année 2023. On reste dans les clous. Et surtout, pas de résurrection des dinosaures. Dinosaures, comprenez le lien. La transition glissante vers la vidéo. Parce que c'est un jeu de dinosaures. The Isle Evrima Dinosaur. The Isle Evrima mise à jour. Qu'est-ce qui se passe dans cette mise à jour? Voilà. Bon alors, peut-être que certains d'entre vous se rendent compte que j'ai un petit peu changé là. J'ai pris un petit peu des épaules, un petit peu des bras là, un petit peu des pecs. Les bonnes résolutions de l'année. Je me suis mis au sport, je vais régulièrement à la salle. C'est pour ça que j'ai un petit peu tardé avant de faire ma première vidéo. Parce que je voulais arriver avec un corps à peu près parfait. Hein. Regardez ça quoi. Regardez ça. Regardez ça le mec, il est mastoc. Mastoc hein. Bon gosse hein. Vous, évidemment, si vous voulez avoir le même résultat, abonnez-vous à ma chaîne et vous gonflerez comme ça. Voilà. Comme par magie, c'est tout. Bisous. Okidoki, nous sommes in game et nous allons tester un petit peu cette mise à jour. De quoi parle cette mise à jour? Quelle est l'idée? L'idée c'est ça. Gore implemented, c'est une mécanique. Donc, je vais vous lire la description. Our gore feature will include the blood visor. Interesting and oral custom. Or not, depending on condition. It's okay to look away. En gros, l'idée là, je crois, ça a été d'améliorer ou de rendre encore plus difficile, hein, à voir. Là, survie des carnivores. En gros, l'idée, à ce que j'ai compris en lisant le patch note, parce que je lis le patch note, visiblement, dans les carcasses qu'il va y avoir, qui vont pourrir au fur et à mesure du temps et qui seront de moins en moins de bonne qualité, l'idée, c'est de choisir un petit peu ses meilleurs morceaux, comme font les carnivores. Genre, les lions, elles chassent, le gnou, et le lion, il arrive, il met des baffes à tout le monde, et il dit, c'est à moi le meilleur morceau. Et c'est à peu près ce que j'ai compris pour l'instant. Je n'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça fait un gros changement, mais on voit aussi que les couleurs du jeu ont changé, c'est un peu moins sombre. Bon là il commence à faire nuit à très exactement 17h. Pour l'instant dans la journée c'est pas mal. C'est un peu plus clair, c'est un peu plus sympa. A voir dans la nuit ce que ça va donner. Comme on a entendu cette biche qui gueule depuis tout à l'heure, ils ont aussi rajouté des sons pour les IA, pour qu'on les entende, pour qu'on les localise. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah j'ai raté, on voit plus rien. Mais quel enfer. Elle est là, je l'ai fait saigner. Et c'est tout noir hein, c'est magnifique hein. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi là? Et ouais, mais on voit que dalle, hein. C'est vraiment terrible. Bon, on est obligé de mettre la vision nocturne à 17h. Hein. Voilà, c'est super. Fait encore jour, mais le contraste est tellement élevé que. Bon, du coup, les couleurs, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Allez, paf! Là, ici, on voit que l'animation est super bien foutue. Hein. Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je peux récolter? C'est le poids ça? Je sais pas. Bon, on va manger, on va voir si j'arrive à l'ouvrir en deux ou quoi. Ah, il y a une nouvelle animation pour manger. Ok. Donc là, là on peut plus regarder derrière nous hein. Là je suis bloqué, regardez, je mets des coups de souris. Vous voyez? Non, vous voyez pas avec mes gros bras. Et en gros je suis bloqué, je peux plus regarder derrière moi. C'est vrai que ça manquait au jeu hein. Là, nickel dandy. C'est exactement ce qu'on attendait pour cette mise à jour. De pas pouvoir regarder ni à droite ni à gauche quand on est en train de manger. J'ai croisé les doigts pour qu'il fasse ça en fait. Histoire de pouvoir mourir encore plus facilement dans le jeu. C'est vrai que c'est quand même un peu facile de survivre. Alors, si vraiment on peut mourir pendant qu'on est en train de manger à chaque fois, ça peut être assez intéressant. Donc on vient d'assister à une nouveauté qui est assez incroyable, qui est assez magnifique. Je vais calculer le temps de nuit. Il est, ça fait déjà 3 minutes à peu près. Bon, on va passer la nuit, hein, parce que la nuit on n'y voit rien. Pas intéressant. Et on continue de parler de cette mise à jour qui m'a l'air incroyable. La nuit est finie et elle est un peu plus courte, j'ai l'impression. Voilà, 20 minutes où vraiment on ne voit rien. Donc ça c'est une bonne avancée. Bravo Dandy, bravo l'équipe. C'est bien, vous avez enfin compris que la nuit c'est un peu relou. Les IA aussi ont maintenant un nouveau comportement. Un comportement amélioré. Elles crient, elles peuvent attaquer, trucs comme ça. Après je sais pas, vu que j'ai pas joué, j'ai pas trop vu en détail. Il y a aussi énormément de changements minimes. Ça c'est tout le patch note de la mise à jour. Il y a énormément de changements. Voilà, addition. Je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être un peu relou. Voilà, ça c'est tout qu'ils ont rajouté. Ça, c'est tout qu'ils ont amélioré. Ici, il y a quelque chose de très important. Growth time reduced globally to fit new type system changes. En gros, le temps de prog a été réduit, en général, pour tous les dinosaures, pour coller un peu plus au nouveau système de jet. Là, ensuite, on voit quelques trucs pour chaque dinosaure. Et là, c'est les bugs qui ont été fixés.
Voilà, tout ça. Il y a quand même beaucoup de bugs. Si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Il y a des trucs intéressants, des trucs un peu moins intéressants. Beaucoup de petits changements. C'est pas une grosse mise à jour. C'est une mise à jour qui améliore le jeu, mais pas trop non plus. Logiquement. Oh, il y a un carnot. Je suis pas fou la vue, je crois. Hein. C'est dangereux. Ouais, c'est un peu dangereux. Où il est? Oh. Ah ouais, non, mais il est là en fait. Non, c'est un peu dangereux là quand même. Il m'a vu. What? Mais il m'avait pas vu en fait. Tendu, tendu. Il va falloir avoir une collision. Oh vite, faut se barrer d'ici là. Mon dieu, je me berre. Là l'idée c'est d'essayer de choper un sanglier comme j'ai dit pour voir si on pouvait l'ouvrir en deux. Parce que j'aimerais bien tester un petit peu cette mise à jour. A savoir quelque chose de très important, la diète ici maintenant on l'a quand on est juvénile. Bah les carnivores c'est un peu plus chaud à jouer maintenant. Voilà vous le savez. Alerte au sanglier. Alerte au sanglier. Il est là, devant moi. What? Quoi, il est où, il est où? Il veut me faire? Marche pas. Voilà. Mon attaque a pas marché quoi. C'est incroyable. Mais what? Ah ouais, il se défend. Il se défend de ouf. Ça, c'est un changement. Mais quoi? Mais il va me tuer. Mais c'est quoi ce sanglier de fou, là? Ouais, putain, c'est la galère même pour tuer un sanglier. Allez, meurs. J'ai plus d'âme. Eh ben, mais meurs, enfin, c'est pas vrai. Ok, bon, les sangliers se défendent, faites attention, ils se défendent fortement. Alors ça fait quoi? Si? Non, c'est pas ça. Si je prends un morceau, ça fait absolument rien. Il y a moyen que ça marche pas sur les IA. Ah si, regardez quand je tire la viande. Quand je tire la viande, ça tire un peu. Regardez ça. Magnifique. Franchement, j'aurais préféré un nouveau dino, je vous le cache pas. Une refonte de la map, je vous le cache pas non plus. Et bon, on sait que Dondi et toute son équipe s'attachent aux détails. Ça, ils aiment les détails. Et c'est pour ça que Zoé, c'est un bon jeu aussi. C'est parce qu'ils sont super à cheval sur les détails qu'en fin de compte, bah, ce jeu, il est super propre. Mais du coup, il avance pas trop. Faut que je change un petit peu de zone. Voir si je peux pas trouver des carcasses de joueurs. Parce que... What? On va se toucher. Oh, lui, bah lui, c'est un joueur, lui. On va essayer de se le faire. Regardez, il va manger, il va pas pouvoir regarder. Hop là! Et ouais, tu peux pas regarder de travers, hein. Tu peux pas regarder sur les côtés, mon pote. Youhou! Moi, je suis plus là, frérot. Ah oui, il y a ça, là, regardez-le, lui! C'est les nouveaux charognards. Ils ont implanté ça aussi, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Loupé! Loupé du los! Ah, tu vas pas m'attirer dans la plaine! Hein. J'ai plus trop stam! Hein. C'est pas terrible! Je suis coincé là! J'ai plus trop stam, hein. Je vous dis, je suis un peu dans la sauce là. Faudrait qu'il me laisse tranquille en fait. Il est où? Carnot! Bon, il a fui quand même. Il a fui. Donc écoutez, je l'ai mis en déroute. Il va refaire nuit, hein. C'est assez terrible. Hein. Ah, il est là. Coucou! Il m'a touché là? Ah merde, c'est un autre! Misère! Misère de Dieu, c'est en un autre! Ils se sont retrouvés! Wouthla! Youpiou! Bilibibou! Bilibibou! Bon, je pense que si je reste là, je vais mourir. Hein? L'idée, c'est de pas mourir. Pour essayer de découvrir cette mage. Je me suis laissé embarquer dans un combat à mort contre les Carnotaurs. On va éviter parce que j'ai envie de découvrir un petit peu cette mage. Il va en faire nuit. Donc, du coup, la nuit dure 20 minutes. Et le jour, j'ai l'impression qu'il dure 30 minutes, d'après mes calculs savants. Je vais essayer de changer de zone pendant la nuit. On se retrouve à la lumière du jour, si je suis toujours vivant. Nouveau mode du jeu, caméra libre. Drone qui observe les autres joueurs. Faire un petit peu leur vie, hein, tout simplement. Ce sera peut-être un peu plus simple pour découvrir cette mise à jour, parce que c'est vrai que c'était un peu la galère. C'était une blague!
Et j'ai M-Terra. C'est honteux. Non, parce que c'est vrai que pendant cette nuit, il s'est passé ça. Et Carnot, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu, le con. Et ouais. What? Moi, je suis tombé. Non, non, non. Ouais. J'ai pas pu l'empêcher, donc écoutez, j'ai changé de dinosaure. Visiblement, ici, il y a la mise à jour. Il y a beaucoup de monde. Hein. Y a beaucoup de monde. Vous voyez qu'il y a de la viande. Il y a de la viande pourrie, on dirait. Il y a des cadavres un peu partout. Et là même, il y a un symbole d'os. Alors, j'aimerais bien voir un peu ce que c'est. Ça doit être ça, là. Mais ça m'a l'air un peu dangereux. Là, il y a un petit truc, là, un petit carnot. Il y a plein de trucs partout. Là, il y a bagarre. On va essayer de voir ce qui se passe. C'est quoi là qui est mort? Est-ce qu'on peut voir? Il y a un trou, hein. Il y avait un trou dedans, on a pu voir. Gentil. Je veux juste voir la mise à jour. Voilà, très bien. Là-bas, il y a bagarre. On a un dino sympa. Peut-être qu'on va pouvoir voir. Je peux voir? Eh, viens pas me croquer, hein. Juste voir ta carcasse, frérot. C'est pour montrer aux gens la mise à jour. Vas-y, pousse ta grosse queue là. C'était quoi? Il y avait un gros trou dedans là. Ah, c'est un bachi. Ok. Mais on voit rien là. Ok, on voit qu'il y a un trou, hein. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal fait, hein. Ça rajoute encore du réalisme au jeu. What? Oh le bâtard! Oh les bâtards! Nulos va, 3 contre moi, il n'y en a pas un qui m'a chopé. Eh, franchement, c'est des schlags. Il y a quelque chose ici, là, j'aimerais bien y aller, mais... Ils sont tous tellement agressifs que... C'est très difficile. Alors là... Ouais, on voit un petit peu la carcasse ici, là, qui... C'est vachement bien foutu, hein. On voit la carcasse ici qui est en train de se décomposer. C'est propre. Après, sincèrement, est-ce que c'est ce qu'on voulait? Non! Bah vas-y, c'est trop léché, un joueur. Le kill pour le kill. Verdict de mes pectoraux et de mes bras et de mes épaules. Cette mise à jour est intéressante, mais on reste un peu sur notre faim. C'est pas non plus un bouleversement total du jeu. Hein. C'est vraiment des petits détails, du perfectionnisme, de l'ajout de réalisme. On n'est pas encore dans la grande mise à jour qui redonne de la hype. Donc c'est bien. C'est ce qui fait le charme de The High, le détail. Mais on en veut plus. On veut du contenu, des nouveaux dinosaures, des trucs à découvrir. Voilà, c'est tout. Petite vidéo de rentrée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Très important. À tous ceux qui l'ont pas fait avant 2023, abonnez-vous, je vous le dis. Tout le monde.